avantage pour Sauer de Boutré, suivi en deuxième position par Signal, ou maintenant qui passe à l'attaque et qui vient en deuxième position. Plutôt du est en train de flaconner, semble-t-il. Cassel du Bonnet à Noir, Oxenry est complètement fermé. Et Seb The Quick refait beaucoup de terrain. 4 Sauer de Boutré qui vient d'être disqualifié pour un mur. Il se retire, c'est Signal. Le meilleur devant Seb The Quick, qui arrive à l'héroïsation. 35 minutes. Allez, Mathieu, va sur toi. Allez, Mathieu, sur toi. On a eu un super parcours, la jument a été très très bonne. Dans le dernier tournant, j'ai vu que c'était chocolat qu'on allait gagner tout seul. Tu l'as découvert à cette occasion-là, on peut dire que t'as fait une grosse impression? Ah bah ouais, une grosse impression, c'est une jument d'un gros moteur, beaucoup de sensations, mais c'est gentil comme tout, elle sait que trotter, c'est un vrai régal. Bon là, on est à quasiment un mois du Cornulier, ça doit donner des ailes. Ah bah ouais, on se dit qu'on a une toute première chance, avec un bon parcours, elle a encore le droit de bien faire. Quelle est sa principale force à cette jument? Bah, elle est brave, elle est rapide, elle est bonne, elle n'a pas beaucoup de défauts. Je suis très satisfait de sa course. J'en attendais un bon comportement, mais bon, j'étais aussi dans le doute. Donc, je suis très satisfait de sa course. Satisfait pour en quel point, on va dire? En tout point, quasiment en tout point, parce que le cheval a pris un bon départ. Après, il a eu un parcours, il a pu courir dans les autres, avoir un dos, et bon, il lui a manqué un peu pour finir, mais ça, je m'en doutais. Est-ce qu'on est dans le bon timing pour le Cornulier? On s'est vu plus mal. Non, sérieux, plus sérieusement, on est pas mal, on n'est pas encore à 100%, mais c'était pas le but d'être à 100% aujourd'hui. Non, ça s'est pas vraiment passé comme je l'espérais. On a couru évidemment très très bien, mais l'inconvénient de partir en dehors, c'est qu'on reste un petit peu là. On voulait partir en dehors pour pouvoir s'élancer un petit peu mieux, assez mieux élancé que d'habitude. Mais après, on reste un petit peu à l'extérieur et qu'on n'a jamais pu se replacer. On court vraiment très très bien, parce que faire les trois quarts de la course en troisième épaisseur, c'est vraiment super. C'est vraiment pas son sport, 2100, ou c'est une autre raison? C'est le départ en descendant surtout, elle est toujours un petit peu raccourcie. Elle n'aime pas ce départ en descendant. En montant, elle est quand même beaucoup plus à l'aise. Donc non, c'est vraiment de bonne augure et elle court remarquablement bien. Ça se prépare bien alors le Cornulier pour toi? On est dans le montant? Oui, on est vraiment dans le timing. On est à un mois du Cornulier, elle va directement aller sur la course. Vu qu'elle court très bien aujourd'hui, elle n'a pas besoin d'autres courses.